a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Ben, salut, c'est MiG-22, 24 juin, et là on est en mission spéciale avec une partie du team Winamax. Alors le but aujourd'hui, c'est qu'il y a un casting du club Limpers de Toulouse, qui est un des plus grands clubs français online, et avec Winamax en partenaire, on a organisé un concours sur toute l'année, sur leur tournoi. Ils ont fait un championnat avec des classements compliqués, etc. Ils vous expliqueront peut-être ça tout à l'heure. Et nous, maintenant, on a un jury avec Manu B, Johnny, Julien, le team manager. Et là, on voit Enzo, le président des Limpers. Hein. C'est lui qui a tout manigancé. Et donc, il y a déjà eu 7 candidats qui ont été sélectionnés, les meilleurs. Ils ont gagné un package pour Las Vegas. Ils sont arrivés avant-hier. Ils ont plusieurs tournois prévus, dont un tournoi des World Series, des tournois au Venetian, des tournois au César. Et puis, à l'issue de ça, selon leurs résultats, selon les notes qu'ils vont obtenir, ça c'est un classement compliqué, et les points qu'ils vont obtenir du jury Winamax, ben on va dégager un gagnant qui va remporter un package pour les World Series Europe à Londres en septembre. Donc une aventure un peu fabuleuse. Là, ils sont installés dans une très belle maison. On est un peu jaloux parce que j'ai l'impression qu'elle est encore plus belle que celle qu'on a vue hier, celle où habite le team. Voilà, à tout à l'heure. Lourde tâche hein, de classer ces. Alors qu'est-ce qu'on peut. En 5 minutes, une maquette mal jouée. Un coup voilà, qui développe, qui l'analyse, etc. Un coup qui a mal joué ou qui a particulièrement mal. Non, moi je dirais que ça fait partie du tempérament, du caractère de chacun. On dit un coup qui a particulièrement mal, qui a bien ou mal joué. Un coup qui s'est bien ou mal terminé. Tu préfères mal, vraiment. Mais, parce que ça force à mettre l'ego de côté. D'accord, tu vois. Non, mais tout de suite. Parce que tu vois, il peut voir si spontanément il va. Avant parler. Qu'il se présente, il se présente. Non, il se présente, mais après, quand on te pose la question, est-ce qu'on laisse le choix, est-ce qu'on fait la question un peu ouverte, ou est-ce qu'on la ferme, tu vois, parce que si... Non, on la ferme, je pense que c'est bien. Bon, d'accord. Et dans un deuxième temps, donc la question, on imagine. Johnny. On imagine donc un scénario, donc on va fixer le même. Je sais pas pour si nous. On a bien le temps en fait. Mais c'est, on va juste, tu vois, très brièvement, mais on donne quelque chose à mon avis d'assez pas précis pour que justement ça suscite des questions, etc. On lui dit une situation de tournoi, il y a un ligne UTG, et toi tu es UTG plus 1, comment t'imagines le coup ? On est obligé d'improviser un truc un peu limite, je pense. Je pense que c'est mieux si au contraire on lui pose des questions à la volée quand il fait son raisonnement sur la main dont il parle. Ça, pour moi, ça suffit pour juger le niveau de réflexion d'un mec. Quoi. C'est un peu une redite. Quoi. D'accord. Et si jamais. C'est en 10 minutes, on en a fait passer un. Hop, mets-toi là plutôt. Suivre. Mets-toi là pour qu'on soit face. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'on se décale. Alors. Tu vas d'abord te présenter, savoir ce que tu fais, ce que tu veux. Tu joues sur Winamax, c'est ton pseudo, tout ça.
Ouais, bah, écoute, on vient de terminer l'interview des 7 joueurs de l'Impers. C'était cette interview qui était très 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 intéressante avec des profils extrêmement différents. Ce qui semble déjà se dégager de ces premières interviews, c'est que les joueurs dans cette villa magnifique s'entendent déjà tous très bien et sont déjà super contents d'être ici et ont déjà l'impression d'avoir gagné. Que la qualification ou le fait de gagner un package pour les World Series Europe va vraiment être un bonus. Il y a l'air d'avoir vraiment une ambiance énorme entre eux. Ça va pas être facile pour nous de faire le choix, mais on va aller délibérer tout de suite en dehors de la maison.